Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, mais aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour les gars, parce qu'aujourd'hui on est à Arène 7. Le problème c'est que je suis un petit peu en stress, même voire extrêmement en stress de ouf. Boum 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 boum. Tu vois le délire? Ou même boum boum boum. Enfin bon. Ça bat très vite, ça bat très très vite. Donc le truc, c'est que on va essayer de rester à Arène 7, mais là c'est le suspense total. Est-ce qu'on va rester ou est-ce qu'on va redescendre? Ah, suspense. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti. Nous voilà devant notre cher petit pack opening, juste avant la mort qui nous attend. Non mais c'est vrai que je suis pas trop hâte de finir le pack opening. Bah je sais pas, j'ai pas trop envie de me faire défoncer en fait. Mais bon, on verra bien. Donc je vais vous montrer un truc. J'ai fait un petit changement dans mon deck. On va voir ça plus tard. On va voir si c'est bien ou pas et je pense que oui. C'est pas forcément sympa mais c'est bien. Donc du coup on va ouvrir un petit coffre d'argent. Qu'est-ce que ça donne? 47 d'or. Ça, c'est cool, comme d'hab. Une cabane de gobelins. Donc là, ils sont niveau 6. Hein. Ah oui, désolé, j'ai oublié de vous prévenir. Les coffres sont tous niveau 6, sauf les coffres gratuits. Voilà. Non, mais au moins, vous n'êtes pas surpris. Mais bon, enfin, c'est trop tard. Mais pour la suite, au moins, vous n'êtes pas surpris. Bon, donc 7 barbares, ça fait plaisir. Donc 54. Putain, ça fait plaisir, ça. Attends, mais... Ah oui, ils sont à Rennes 6. Ouais. Ils sont à... Donc 54, ça fait plaisir. Ouais. Donc 2 barbares et... Canon. Ouais, canon, ça fait un peu moins plaisir. Hein. Un peu moins plaisir les canons, mais barbares, ça va, c'est pas mal. Donc 51 d'or, ça, c'est cool. Une fournaise, on va pas se plaindre. Et cette électrocution. Allez, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors... Ah non, je peux... Ouais, bah regardez, regardez. Regardez, hop, vous avez vu? 508, j'en suis à 508. Plus que 300 environ. Et je peux aller à... bah 800. Et du coup, je pourrais les améliorer et tout niveau 10. Ça va être génial. Ça fait plaisir. Ah, 3 squelettes, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de petits squelettes là. Hein. Ça fait plaisir. Et 10 mortiers. Ça changera jamais ça. Hein. Ah ouais, hein. Tant que tu seras à Rennes 6, les mortiers, ils seront là, ils seront présents. 11 barbares. Ouais, disons que ça passe, ça fait plaisir. Et 2 roquettes. Là par contre, ça passe pas. Non, roquettes, non. Ça passe pas. C'est pas encore ça, les roquettes. Hein. Donc c'est parti, on va faire le coffre gratuit. Et hop, coffre gratuit. 69 d'or, voilà, j'allais dire gemme, mais ça aurait été sympathique, mais non, c'est pas le cas. 2 gemmes, voilà, ça fait plaisir, 2 petits gemmes, ça fait plaisir. Un géant, alors qu'il est à Rennes 6, enfin à Rennes 7, tu te foutrais pas de ma gueule? Et là, qu'est-ce que ça donne? Du mort, mais what, what, mais voilà, oh là là, le mec, attends, t'as un coffre d'Arène 7, l'autre il te fout des mortiers, quoi, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais ça me suit partout, les mortiers. Vas-y, tout à l'heure, j'ai eu des meilleures troupes. D'ailleurs, je vais vous montrer une troupe que j'ai gagnée. Bon, je l'utiliserai jamais, parce que c'est impossible de l'utiliser. À part si t'as de la chance. Mais ça peut être délirant à utiliser. Alors, 66 d'or, ça fait plaisir. Et voilà! Et bah, c'est celle-là que j'avais gagné. C'est celle-là que j'avais gagné tout à l'heure. J'avais gagné... j'avais gagné tout à l'heure. Qu'est-ce que je te dise, moi? Donc, du coup, bah, ça fait plaisir, voilà. Hop, petite mousquetaire et... Mais c'est... Dégage! Dégage! Va en enfer, je sais pas, moi! 463 d'or. 463? Alors, soit je suis extrêmement chanceux, ce qui m'étonnerait. Alors, vraiment, ça m'étonnerait. Soit, il a Rennes 7, et ça fait plaisir. On va voir, on va voir. Peut-être une légendaire, les gars. Oh, attends, en mode stress, là. Bon, t'as plus froid que tu stresses, mais on s'en fout. 19 électrocutions, allez, dégage. 32 géants royal, bah voilà. Oui, il est niveau 4, oui. Oui, effectivement, oui, niveau 4. Il est niveau 4. Bon, allez, c'est parti. 6 fournaises, ouais, c'est pas ça encore. Et, allez, allez, putain, je clique ou pas, là? Je clique. Putain. Le truc, c'est que du coup, on a du géant royal. Donc, on va tenter de faire quelque chose. Bon, il est que niveau 5. Mais disons que c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà, il fait quand même pas mal de dégâts déjà. C'est plutôt bénéfique. Hein, c'est plutôt. Enfin bon, on s'en fout. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous dire tout de suite pour attaquer. Putain, je suis trop stressé, les gars. Allez, c'est parti, putain.
Allez, c'est parti les gars, on est contre Pucinerd. Bah alors là les gars, là c'est la dernière chance. Et regardez, j'ai pas ce molosse de lave là, j'ai pas. Mais enfin bon, c'est la dernière chance les gars, si là j'y arrive pas, eh ben c'est mort. Si là j'y arrive pas, c'est mort. Donc allez là, mets-moi ce machin là. Si là j'y arrive pas, c'est mort les gars. Donc on va tenter ce qu'on peut. On tente ce qu'on peut. On fait comme on peut, donc on va tenter ça. On va prendre les flèches au cas où. Flèches au cas où. Le gars il joue pas. Le gars il joue pas. Le gars il joue pas. Ah, ça c'est bon ça. Allez hop, les petites flèches. Et pouf. Et ben voilà, c'est fini. Yes. Yes, yes. Heureusement qu'il bug. Oh, heureusement que le mec bug. Ah, ça, ça fait plaisir ça. Ça, ça fait plaisir. Le mec il bug et tout. Franchement, ça fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer ça. S'il y a moyen que tu me défendes un max. Ouais, ok. Ah, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Bon, malheureusement, c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être attendre. D'accord, ok. D'accord, donc monsieur croit franchement pouvoir faire quelque chose avec ces petits machins là. Oh non mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bon, jusque là on est plutôt bien, mais tu pouvais le tuer s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Ok, ouais, ok. On est bien. On est bien. Ah bon, il était pas encore mort quand j'ai dit ok, mais c'est pas très grave. Donc du coup... Ah, ça, ça fait plaisir, mon gars. Ça, ça fait plaisir. Allez, hop, à mon tour de mettre des hordes de gargouilles. À mon petit tour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on envoie? Ah, je sais pas, là. Ah, il a envoyé une boule de feu, donc du coup, va falloir réfléchir autrement. Est-ce que j'envoie le molosse de lave? Eh, je suis content, tu vois, parce que je me dis, bon, je vais gagner, mais le problème, c'est qu'il a moyen de rattraper, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que dès le début, j'ai pu bien... Voilà, quoi. J'ai pu bien. D'accord, ok. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est pas très grave. C'est j'ai pu bien... Enfin bon, laisse tomber. C'est bizarre, mais bon, ouais, comme je vous ai dit, c'est pas très grave. Je suis un peu en stress, donc j'ai du mal à parler, j'ai du mal à aligner deux mots, donc bon. M'en voulez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin bon, ça donne ou pas? Ça donne ou pas? Ça donne ou pas? Ça passe? Ça passe? Ça passe, ça passe. Ça fait plaisir en fait, voilà. Tout simplement, donc là il va tirer une boule de feu. Donc bah, je m'en fous complet. Vu qu'il vient de tirer une petite boule de feu. Ça devrait le faire. Ouais, il y a moyen de tuer un petit peu cette horde de gargouille. Ben ouais, c'est pas ça hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer ça. Ah, dommage. Franchement dommage. Bon, c'est pas très grave, on va quand même tenter le 3 étoiles, on va y arriver, c'est moi qui vous le dis. Ok, d'accord, ok, je vois son point de vue, je vois son petit point de vue, moi aussi je vois mon petit point de vue aussi, hein. Ça y a pas de soucis, je le vois mon petit point de vue. Alors, ça donne quoi là mon petit? Ok, bon, jusque là on est plutôt bien, ça passe ou pas? Ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, regardez, il touche même pas la tour. Oh là 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 là, mais j'y pensais même pas. Enfin, j'y croyais même pas, mon gars. J'y croyais même pas. Mais j'y croyais même pas, mon gars. Mais c'est un truc de ouf. Pff, oh là 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 là. Oh, les gars, que j'y croyais même pas. Les gars, que j'y croyais même pas. Pouah, 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 pouah. Bon, on va faire ça. On va tenter. Donc, on va mettre du horde de gargouille. De la horde de gargouille, je veux dire. Du, ça veut rien dire. Ouais, ça passe ou pas? Regardez-moi ça, ça passe, les gars! Oh là 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 là! Super combat! Bonne chance pour la suite, mon gars! Petit bisou! Oh là 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 là! C'est la première fois que je suis à Rennes 7, les gars, donc c'est normal si je suis tout ému, là. Non, mais c'est la première fois que j'arrive à tenir à Rennes 7, ou enfin, je sais pas, c'est voilà quoi. C'est comme quand tu arrives la première fois à Rennes 4, à Rennes 5, à Rennes 6, à Rennes 7, après ça sera à Rennes 8. Ouais, il y a toujours une petite émotion, et plus tu augmentes, plus t'as d'émotions, plus c'est stressant parce que tu te dis, ouais, il y a quand même de la puissance en face, les mecs sont pas forcément nuls, s'ils sont arrivés jusque là, c'est qu'ils sont plutôt bons. Et moi, je suis pas stratégique, moi, tu vois, je suis pas quelqu'un stratégique, moi, je suis quelqu'un qui fonce dans le tas, tu vois. C'est, je pose mes troupes, je fais comme d'hab, et ça passe ou ça casse, tu vois. Donc, je suis pas là pour réfléchir, tu vois, je suis là pour m'amuser, je suis là pour poser mes troupes et on réfléchit pas, tu vois. Donc, c'est pour ça. Du coup. Je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque, en espérant que je reste toujours à Rennes 7, putain, c'est...
Ouais, j'ai les pépettes, hein. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Re tout le monde, alors franchement, regardez qu'un seul truc. Un seul truc. Coffre gratuit. Il est à combien de temps? 27 minutes. Ça met combien de temps à mettre un coffre gratuit? Attends, je vous entends pas là. Oh, 4 heures. Waouh. Voilà, voilà. T'as compris le concept. Hein, 3h30. T'as tout compris. Voilà. Donc du coup, hein, m'en bats les couilles de ta vie. Allez, ah, voilà. Va te faire foutre. Merci. Donc, on va se faire cette dernière petite attaque. Hein? Voilà, vous avez vu mes trophées? Oui, vous avez vu mes trophées. 1700 et quelques. Moi, je sais pourquoi j'y arrive pas à aller à Arène 7. Je le sais pourquoi, je pourrais pas vous le dire, parce que c'est, ouais, c'est quelque chose de personnel. C'est ma façon de penser. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Personnellement, je sais pourquoi j'y arrive pas. C'est pas parce que je suis nul. Non, c'est pas parce que je suis nul. Je sais pourquoi j'y arrive pas, mais c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire... On se fait cette dernière partie, parce qu'il faut qu'on fasse la dernière partie. Donc moi je suis énervé, mais alors, mais comme c'est... Ouais, ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'y suis, donc tu penses bien que je suis un peu énervé. Mais ça c'est pas très grave. C'est la vie, c'est comme ça, on s'énerve, c'est... ça va pas nous tuer non plus, hein, voilà. C'est qu'un jeu, comme on dit. Mais bon, donc du coup, je vais essayer de me faire pardonner. Le problème, c'est que ça va être compliqué. Donc du coup, parce que moi j'aime pas trop décevoir les gens, donc malheureusement, bon, je suis pas à Rennes 7, c'est pas grave, hein, ça va tuer personne, comme j'ai dit... Mais, oh, d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure un niveau 9. Il avait une sorcière niveau 5, les gars. J'ai halluciné. C'est un truc de malade. Oh, enfin bon. Donc, du coup, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Mais c'est tellement compliqué, les gars. C'est un truc de malade. Je vais tenter de faire un tournoi. Donc, un tournoi à... Ouais, d'ailleurs, j'ai enlevé le machin, là, par ça, là. Tu sais, le truc qui tire de loin, là, je sais plus comment il s'appelle, enfin bon. Et donc, du coup, tu sais, le géant royal. Et donc, du coup, je vais essayer de faire un tournoi, donc, qui dure une heure, et faire, en gros, un live dessus, tu vois. Genre, un live pendant une heure, tu vois. Tu joues au tournoi pendant une heure, et puis, à la fin, on voit si on gagne ou pas, en espérant qu'on gagne. Mais bon, la plupart des lives, généralement, tu sais ce qu'ils ont, les gens. Les gens, généralement, ils ont une petite... comment elle s'appelle déjà? Une petite princesse. Donc j'ai envie de te dire que... C'est pas que ça fait mal au cul, hein. Un petit peu. Surtout quand t'as des hordes de gargouilles. Ouais, ça fait très mal au cul. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, on va tenter... On va tenter... Attends, je suis en train de réfléchir de ouf. Oui, donc on va tenter de faire ce truc de 1 heure. Voilà, voilà. Donc malheureusement, le coffre... il est pas d'arène 7, voilà, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On y arrivera bien un jour de toute façon. Hein. Bientôt on va être niveau 9. Après on ira à Rennes 7. Machin tranquille. Chaque chose en son temps. Ok. Je me suis pris la tête pendant quelques heures. Je me suis battu. J'ai pas réussi. C'est que c'est pas le moment. Faut pas forcer les choses. Je suis un peu... tu sais moi je suis un peu... comment dire. Je suis un peu... tu sais quand je veux faire quelque chose je vais le faire. Tu vois. Je vais aller jusqu'au bout. Tu vois. Je sais que je vais pas y arriver. Mais je vais le faire quand même. Tu vois. Je dis au cas où. Tu vois. On sait jamais. Alors je sais que j'ai peu de chances de y arriver. Tu vois. Mais je force les choses, tu vois, je suis obstiné, tu vois. Et ça, c'est un gros défaut, parce que ça me prend la tête quand je suis obstiné. Parce que je sais, tu vois, je me dis, il faut que je m'arrête. Mais d'un côté, je me dis, putain, j'ai pas envie d'arrêter, il faut que je continue, tu vois. Là, c'est chiant. Ouais, c'est comme ça. Et donc, du coup, je vais... Oh, 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 de que dalle. Viens, oh, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, on fait que défendre. Non? Non, pas... Ouais, c'est vrai que ça a duré longtemps tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, c'était à quelques secondes et tout, ça a duré longtemps, en fait. Mais bon, on n'en voit plus de... Et on fait ça, par exemple, voilà. Ça, on n'en voit plus de... De cochons, de... comment ça s'appelle? Ah, tu sais, de... Enfin, tu vois, le gros truc, le cochon, machin. Tout ça, on n'en voit plus. On essaye de gagner sans ça. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on... Eh ben non, c'est dommage. Est-ce qu'on va y arriver? Oh, t'y arrives. Mais c'est sérieux, celle-là, là? On va mettre ça, alors. Non? Allez, regarde ça un peu. Je lui fais flipper un peu. Oh non. Ah, j'adore. Ta ta la ta. Non, mais c'est kiffant. Alors là, je suis désolé, mais c'est kiffant. Ah, je suis désolé, mais là, c'était kiffant. Ah, je l'ai fait un peu flipper, j'en suis sûr. Putain. J'aurais dû encore plus frôler la... J'aurais dû encore plus frôler la... Comment ça s'appelle? La tour. J'aurais dû encore plus la frôler. Bon, bien joué. Et puis, bah, bonne chance pour la suite, mon petit. Voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est du vrai jeu, ça. Qu'est-ce qu'on se prend la tête, franchement. Allez, hop. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? 380, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu me donnes? 2 gemmes, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu me donnes? 1 Valkyrie, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu me donnes?
On s'électrocution. D'ailleurs, en parlant de tours de l'enfer, j'en ai reçu pas mal en face de moi des tours de l'enfer. Hein. Ça me défonce bien, ça, mon molosse de lava. Ah, le tour de l'enfer, ça fait mal. Hein. Et mortier, allez hop, wouh. Allez, on fait la fête, les gars. Wouh. Non, mais attends, c'est la fête, les gars. On a du mortier, les gars, on a du mortier. Mais ça, c'est bon, ça. Hein? Allez, vas-y, ouvre-moi ça, là. Wouh. Allez, c'est parti, 53 d'or, ça fait plaisir. Deux géants. Ah oui, celui-là, c'est vrai qu'il a reine 7, celui-là. Allez, c'est parti, géant royal, électrocution, et c'est tout. Va-t'y enculer. Voilà, voilà. Je déconne, c'est bon. Ah, j'ai le droit de rigoler, non? Il y en a de moins en moins en plus des tournois, apparemment. Non, mais t'as vu? Du coup, il n'y a plus de tournois. Voilà. T'as vu, du coup, il n'y a plus de tournois. Donc, finalement, tu vois, au début, c'était cool, hein. Au début, ouais, il y a plein de tournois, machin. Moi, je pensais qu'il y avait encore plein de tournois. Que dalle? Bah non, ça coûte trop cher. Bah bon. Après. Ça reste un jeu de merde, hein. Bah oui, ça reste un jeu de merde. Un jeu de pognon. C'est un jeu de pognon. Un jeu de pognon, c'est de la merde. Voilà. Ils ont beau être super bien faits, dès qu'il y a un enjeu de pognon, c'est de la merde. Donc du coup, arrêtons de s'énerver. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vais me calmer. Et c'est pas grave. On est à l'arène 6, c'est déjà bien. Voilà. On le mérite un petit peu, l'arène 6. L'arène 7, apparemment, on le mérite pas encore un peu. Enfin, on le mérite un tout petit peu, mais pas encore assez. Pour y rester. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool !